C'est la cocotte TV. Solo queue à proprement parler, c'est vendredi. Oh, mais c'est dans longtemps. Bah ouais. Demain, pas de stream. Mercredi, découverte. Je sais pas encore à quoi on va jouer, mais on va jouer à un jeu auquel j'ai jamais joué et vous non plus. Et puis, si c'est génial, c'est super. Et puis, si c'est nul, on en rira ensemble. Jeudi, on fait une tentative. Voilà. On tente un truc. J'ai envie de faire une vidéo YouTube explicative de toutes les runes. Soit simple, précise, efficace et courte. Et donc pour faire ça, il faut prendre des vues du jeu, il faut faire du montage, il faut écrire du texte, il faut étudier le sujet pour qu'on ait on en ait une bonne compréhension et que ce soit clair. Et comme ça prend du temps et que j'ai pas de temps, on va le faire en live. Vidéo de 3 heures. Non, je pense plutôt une vidéo de 10 minutes max, Striders, où on passe en gros 10 secondes par rune, avec un petit texte très simple qui explique en gros ce que ça fait. Ça sert à rien de rentrer dans le détail, tu vois. Ça sert à rien de dire c'est plus 12 ou plus 11 d'attaque, tout le monde s'en fout. Dire la rune augmente un peu l'attaque, et puis montrer par une petite vidéo ce qui se passe quand tu la joues, tu vois. Et donc voilà, l'idée c'est qu'on fasse ça ensemble jeudi. Alors je sais pas si ça va être intéressant ou chiant, je sais pas si on va y arriver à bien le faire. C'est un truc que j'ai envie de tenter, donc on va le tenter. Donc jeudi, eh bien, on fera du montage de vidéo en live ensemble. Vous m'apprendrez sans doute des éléments techniques, vous m'aiderez à corriger le script, vous me direz si ce qu'on enregistre, le rythme, tout ça, c'est bon ou pas. Et puis voilà. Et après, vendredi, samedi, dimanche, on repart sous la solo queue, quoi. T'as pris combien de temps à lire le patch? Perso, j'ai mis 1h20. On n'a pas mis très longtemps. Attends, de toute façon, il y a la vidéo sur la chaîne YouTube de la lecture du patch. Cocotti. Vous pouvez chercher @CocottiTV sur YouTube, hein. Vous trouvez tout de suite. On a mis 40 minutes à lire le patch 4.3 et on n'a pas... on a zappé les runes. On a zappé les runes puisqu'on a prévu de toute façon jeudi de faire ça. Mais si on avait lu les runes, je pense qu'on aurait mis le double du temps, donc 1h20. Je sais pas si ça va intéresser de ouf les gens, les nouvelles runes. Les gens copient juste les builds bêtement pour la plupart. Oui. Je suis d'accord, Chase. Après, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'apprendre à faire du montage YouTube, faire des belles vidéos, etc. Et ça intéressera sans doute quelques personnes. Donc même si on se retrouve à 5 sur le stream, je m'en moque, tu vois. L'idée, c'est de dire que comme j'arrive pas à me motiver à faire ça, je me sers de vous pour être ma motivation. Et puis s'il y a 3 personnes sur le stream ce soir-là, et ce sera 3 personnes qui m'aideront et ce sera très bien comme ça. Et s'il y en a 100, on fera ça plus souvent. Du coup, Ali qui nous joue Soraka avec un Draven et la vaille de Striders évidemment en top 50. Super. MHD, Afrotrap partie 7. Projet dans les packs. MHD en prison et en prison, MHD. Il nous a ambiancé pendant un été. Ça m'intéresse, si ma call permet, je serai là. Cool. Il y a un random dans ta game, mais pas le bon. Il y a un random. Je suis Horn. C'est quoi les écrans à gauche là? C'est nouveau ça? C'est nouveau les petits écrans là. C'est quoi mon match-up? Vayne. Oh bah super. Oh super l'ennui. Trahi, t'as enlevé de tes amis. Je comprends pas les gens qui font ça. Ah ah, brûle! Ah non. Arrête. Elle est sérieuse? Je suis midlife, let's go! Ça va être beaucoup de fun. J'aurais dû start sur le 1. Là, du coup, je peux pas prendre ce sbire. Oh, vas-y, ça va être trop chiant. Ah, ça va être trop chiant! Vayne top en temps normal, je trouve ça pas ça cool, mais contre Horn, je l'excuse. C'est peut-être quasiment le seul perso du jeu qui peut tuer Horn. Je sais pas, hein. Juste prendre de l'exp, ça va être dur en fait. Vas-y, t'en as pas marre de bien jouer là? Espèce de relou là, casse-toi! Et je l'ai bien ambiancé là. Et elle a pas moufté. Hein. As-tu vu, elle a pas moufté.
Vas-y, mets-moi ton émote. Ouais, par contre, maintenant, elle a son 2, donc... On va gentiment attendre. Voilà, comment ne pas perdre? Comment gagner contre Vayne Top? On ne gagne pas contre Vayne Top. Faut juste ne pas perdre. Comment on ne perd pas contre Vayne Top? On reste calme. On reste calme. On accepte de ne pas tuer un sbire de temps en temps. Et on explose la vague derrière comme ça. Voilà. Elle prend l'aggro des sbires, elle int. Elle devrait pas avoir si peu d'HP en vrai, là. Ah, c'est moi qui int. Oh, la barrière! Allez. Regarde, j'ai la fame. Je représente la fame. Tant pis pour elle. Oh, jure, ça marche pas, ça. Et... Bonk. Avec ma capsulaire plus Brumble, je la démolis, à moyen. Je déteste Horn. Moi, j'aime bien Horn, je trouve sympatoche. Y'a pas Brumble, là. Y'a pas Bulumbulu. Elle est où, Bulumbulu? En défense. Brumble Vest. C'est parti. Je la démolis. En même temps, il a fait le zozo, le mal, là. Killer Jungler, c'est Nautilus. Ça va. Du coup, il ose plus, hein. Ose plus, Vayne, hein. Tiens. Oh. Elle joue elle aussi avec les murs. Les murs, les murs, les murs. Quand tu veux, Vayne. Ah. Si j'avais stun dans le mur, ça aurait été mieux. Moi, je me suis doublement mal pris. Oh, c'est quoi ce flash? Non, en vrai, la Vayne, elle est pas terrible. Je pense qu'elle est pas terrible parce que là, j'ai tout fait de travers. Et elle a quand même réussi à perdre le trade et à se barrer en utilisant son flash. Attends, laisse-moi tranquille, toi, pour voir. Là, ça va être compliqué. Pour moi. Oh, arrête. Arrête! Bah alors, Vayne, est-ce qu'on ressentirait pas un petit peu de seum? Champion de con. Bah là, c'est un peu scandaleux. Hein. C'est pas sympa, hein. C'est pas sympa ce qu'on leur a mis. Après, j'ai presque envie de dire, c'est pas sympa ce qu'ils se sont mis tout seuls. Hein. Ouais, j'ai presque rien fait dans l'histoire. Hein. Oh, elle est en colère, là. Elle en veut. Voilà pourquoi je le perds ma ban. Parce que tu sais jamais quand tu vas tomber contre moi, c'est ça. Comment ça se passe pour mes copains? Alibubu, il feed, mais son Draven se met très bien, ce qui est parfait. Sa caponée est bof. Et on l'excuse parce qu'on a l'habitude. Parfait. Ennemi tué. On a une Kai'Sa mid. Ok. Ok, ok. Vous pensez que je la défonce nature? Relativement, hein. Et vous savez quoi? Saxo. J'ai envie de lui en mettre une nature là. Attends, doucement la musique. On attend patiemment le retour du saxo. Oh, j'ai envie d'aller la chercher là. Bon, tant pis, la tour ce sera très bien. La tour ce sera très bien. Et Pong! J'aime bien Horn. Sympa. Est-ce que je décale pour aider au dragon ou non? On va continuer à garder Vayne sous contrôle. Tu peux bum sur ton caillou, c'est le principe.
C'est à ça qu'il sert. C'est exactement à ça qu'il sert le caillou. Tu poses le caillou et derrière tu bump. Saxo V2, ça arrive. Hein. Ça arrive fort, ça arrive fort. C'était bien ce petit doublé, hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je l'ai trouvé très chouette, hein. Doublé à l'ulti, là, bonk! Au final, est-ce que je m'embête à embêter Klein pour qu'il nous crée un nouveau générique ou on trouve un nouveau slogan, etc. Ou est-ce que juste on prend ce petit bout de saxo, là, j'envoie un mail à l'artiste, à Midnight, à The Midnight, et je leur dis, ça vous dérange si je l'utilise comme générique? Ouais, non? Ah, c'est la mort. C'est ma première mort. C'est ma première mort. Moi, je chante pour toi, si tu veux. Ah ouais? Envoie-moi une mixtape. Envoie-moi un EP. Ça fera sûrement trop de saxo. Et oui, je pense que ce qui nous fait plaisir dans ce saxo, c'est le fait qu'il soit pas si souvent présent, qu'il arrive par surprise de temps à autre. C'est vrai que trop de saxo tue le saxo, ouais. Parce que bon, il y en a peut-être ici qui ont jamais entendu le générique. Générique à l'époque où j'étais jamais salé. Victoire. On va se chauffer avec là, on va vous en faire un autre là. On va trouver un petit slogan, on va trouver une petite mélodie. Il y a moyen de faire un truc. Il y a clairement moyen de faire un truc. Vayne, elle en est où là? Elle a juste une BOTRK? Il te manque? Ah ouais, il faut. Je pense que soit on va vite en créer un autre, soit on va le réutiliser, tant pis. Je voulais tout changer, mais faut peut-être pas tout changer trop vite. C'est vrai que ça manque un petit générique, ça fait quand même partie des spécificités de la chaîne, quoi. Après, c'est pas tant le sel le problème de l'ancien générique, c'est surtout le victoire à la fin. C'est vrai. Encore une fois, Chase, je me permets de te faire remarquer que tu es relativement désagréable, mais t'as pas totalement tort. Dans l'idée, t'as pas totalement tort. Tiens, parlant de Traders, au lieu d'écrire MDR, tu ferais bien de ganker ma lane. Tu m'avaignes tout seul, eh. Oh, jure. Imagine JDG change d'intro. Imagine JDG modifierait son intro juste pour qu'elle pète pas les oreilles dans les aigus, là. Pa 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 pa. Non. L'intro de JDG, elle est tellement insupportable que ça la rend mythique en fait. Pike. Oh, c'est loupé ça. Oh, c'est bien bien loupé mon ult. Arrête. Tu es Pike. Suffit. Oh ouais, ça suffit. Ça va, t'es en positif ce soir. Même si on perd celle-là, ça fait 50-50. Ton ulti fait la moitié de la map. Ouais, mais il est lent et en plus, t'as vu, je l'ai loupé. J'ai pas réussi à le renvoyer. Après, tu pourrais dire, t'as loupé ton ulti et tu gagnes quand même. Quel perso de con. Moi, j'aime bien Orn. J'aime bien ce qu'il représente. Pauvre Gromp, il a rien demandé, il s'est fait monter en l'air. Mauvais endroit, mauvais moment. La balle perdue. Perso de con. Oui, mais pas n'importe quel con. Un con cornu. Un con forgeron. Vayne a eu la tour. Deux wins ce soir ont été faits avec Warwick. Je pose ça là. Une lose a été faite avec Warwick aussi. Ah. Donc si jamais on gagne cette game, ça veut dire que j'aurais fait 2-1 sans Warwick et 2-1 avec Warwick.
qui en fait un perso parfaitement moyen. Du coup, tu viens de contre ton camp assez violemment, Shugrim, je suis désolé. C'est pas ma faute, c'est les maths, c'est les chiffres. Les chiffres parlent. Les chiffres me parlent. Ils me disent que j'ai raison. Oh, Vayne, t'étais marrante, mais t'es plus marrante, là. Bah, c'est fini, ok. Ok, on est passé sur une autre dynamique. On est passé à un autre moment de la game. On est passé au moment de la game où à deux items, c'est fini. Deux items, c'est fini. Je peux plus 1v1 Vayne. Oh, notre équipe a tué le dragon. Ali sur sa Soraka qui pique le dragon, c'est formidable. Oh, Draven, il met des calottes, hein. Oh, oh, une petite calotte de Draven, là. Pas dégueu cette affaire. Hein. T'as fini ton anti-heal ? Non. Je pourrais. Comment je suis heureux de voir ton perso de con mourir. Ouais. Quand on s'en retrouve à être heureux du malheur des autres, qu'est-ce que ça dit sur nous, Tilem ? Qu'est-ce que ce sentiment que tu ressens dit sur la personne que tu aimes ? Contre Vayne, c'est pas une mauvaise idée de finir, finir la côte épineuse, on est d'accord. Ace ! Bah attends, elle est morte en... Quand, où et par qui Vayne du coup là? Parce que je faisais pas partie de l'équipe qui a réalisé cet exploit. Oh, j'ai bien craché le feu à côté des méchants. Ça dit que je suis quelqu'un d'outré par ce perso. Oh. Je parle de quelque chose de bien plus profond. Peut-être qu'il faudrait que je joue avec l'équipe là. Je pense qu'en réalité la force de Horn doit pas particulièrement se situer dans le speed push. J'ai quand même l'impression que je me fais quand même un peu carry par l'équipe hein. Même si ça s'est bien goupillé en early pour moi, qu'on a bien bolossé la Vayne. Et le Nautilus quand il est venu une fois, ce qui était très marrant d'ailleurs, on se souviendra pour toujours. Peut-être un petit short, hein. Je sais pas si Nishinoya il est dans le coin. On pourrait faire un petit short avec ces moves là. Oh, j'ai volontairement forcé le fight pour gagner du temps à mon équipe au Nash. Les mettre un peu low. Cela dit, ils sont un petit peu en galère, les copains. Ali, tu devrais pas être dans la zone. Sors de la zone. Le dot du baron ne te tape que quand tu es dans la zone. Faut aller regarder la vidéo de Jinko sur le baron. Tu rentres dans la zone, tu subis l'espèce de poison. Ishi a dit Horn, il est cool, c'est le best. Et aussi un short de quoi. Les deux premiers kills que j'ai eu dans cette game, Elena, c'est deux fois où la Vayne s'est un peu outplay toute seule. Et une fois où le jungler s'est outplay tout seul. Et c'était très marrant. Il faut que Nishinoya il regarde les 5-6 premières minutes de cette game. Très marrant. Son voisin était forgeron, il entendait le marteau jour et nuit, du coup il rejette tout sur ce pauvre Horn. C'est possible ça. Si elle sort de la zone, elle peut plus le heal. Qui recule un peu, je veux dire. L'amour, ça se fait à deux. Ta-da. Ok, j'ai tout fait de travers. Ok, j'ai forcé mon pote à faire de la merde. Ok, j'ai peur de rien. Par contre, pourquoi j'ai jamais activé ma gargouille? Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Hein. J'étais trop focus sur le petit jeu de merde là qui met 30 ans à se faire. Comment ça? Le truc de l'événement là? Coucou mes sucres. Ça coupe. Salut notre fraise. C'était pas une fraise. Est-ce que c'est intéressant qu'on soit des sucres? Pourquoi je suis full vie? Ah mais c'est parce que j'ai un Warmog. Le Warmog, c'est de la triche. Horn, c'est de la triche. Tout est de la triche. Non mais ouais, les deux premiers moves de cette game, là, y a un petit truc sympa à faire avec. Allez ! Tadam ! Poink ! Tadam ! Poink ! Le perso est de la triche. La triche, c'est de la triche, déjà. Du coup, on est en train d'aram comme des ozos, là. Ça me va, hein. Poink. Je serai votre tank. Je tank pour vous. Faites vos bêtises. Allez, maintenant, je vais régène. Attention, activation de la régène. Et c'est maintenant. 233. Pas mal. Ah, mais Soraka me soigne. Soraka me soigne, il faut pas faire ça. Il n'y a pas besoin, garde ton mana. Par contre, moi, du mana, j'en ai plus trop. C'est le souci du perso. Perso trop nul, pas assez de mana. Bam.
Troisième Drake pour nous. Cette fois-ci, j'en suis. Du coup, t'as l'impression que Soraka ne heal pas souvent. Bah, et factuellement... Factuellement, elle heal 50% moins souvent qu'avant. Ça reste beaucoup, hein. Mais c'est 50% moins souvent qu'avant, puisqu'on est passé de 2 secondes à 3. Oh là! Ah ouf! Oula! Ça fait beaucoup de oula dans cette game, hein. J'éloigne les ozos là. De toute façon, on n'a pas de sbire, on sert à rien là, les gars. Oula! Mais oui, oula! Comme disait le goûteur dans Astérix. Bah quoi? Il est très bon ce goat. Maintenant, elle spam à l'infini le sort du coup. Maintenant, pourvu qu'elle ait du mana, elle spam, ouais. Mais elle. Après, oui, c'est difficile à juger parce qu'elle soigne plus fort à cause des nouvelles runes et du nouvel enchantement. Mais moins souvent, donc est-ce qu'elle met plus de temps qu'avant? Elle met peut-être plus de temps qu'avant pour rendre full vie quelqu'un. Par contre, elle met plus de soins au total dans le fight. Donc, est-ce que c'est plus fort, moins fort? C'est difficile à dire. Ça reste toujours, entre gros guillemets, facile à tuer pourvu que t'arrives à lui sauter dessus. Qui est tout l'enjeu de toute façon. On push ça. Ah, les sbires ils sont derrière là. Ils sont devant. Top tier sup, évidemment que c'est plus fort. Ok. Pas sur moi qu'il faut taper, je suis trop tanky. Vayne, arrête, on a dit que j'étais tanky. J'ai été contrôlé pendant 1 million d'années, j'ai jamais pu retaper sur le truc. Avant, il est aussi avec le passif du 1, oui, c'est vrai. Son heal qui te shield quand t'es full HP, je trouve ça broken. Ça, c'est assez ouf, ouais. Je comprends même pas que ce soit pas ban. Les gens sont mauvais, que veux-tu. Et boum! La malédiction est terminée. 11 wins sur 20 games. 11 wins sur 20 games, ça fait un ratio de win de... 55? Oui.